Là, il rentre, il dit, pardon, mademoiselle, avez-vous de la soupe sur le menu? Elle dit, on en avait hier, mais on l'a essuyé. Là, il rentre par derrière, il dit, vous voudrez avoir une bière. Elle dit, pardon, monsieur, elle dit, il faut vous prendre un lunch. Elle dit, ça vient le dimanche dans le cabaret. Elle dit, vous prendre un lunch. Le gars, il dit, correct. Elle dit, emporte un lunch. Le gars, il regarde ça. Il dit, coudonc, c'est pas mangeable, ça. Il dit, allez me chercher le gérant. Elle dit, ça sert à rien. Elle dit, comment j'irai chercher le gérant? Elle dit, il ne mangera pas, lui, non plus. Le gars, il va venir la waitress avec une table sur la tête. Il dit, t'envoies avec ta table. Elle dit, je m'envoie chez une nappe. Regarde l'autre waitress, il dit, quand vous êtes acheté des sienneux, elle dit, oui, des vieux, j'en avais. Il y avait un gars qui était assis, puis il se frottait les doigts. Waitress, ça va le trouver. Elle dit, pourquoi faire pour frotter les doigts? Ça me fatigue. Le gars, ça, c'est un tic de Corée, mademoiselle. Le lendemain, il y avait un autre qui se frottait les doigts, mais de l'autre main. Elle dit, vous aussi, je pense, vous avez un tic de Corée. Le gars, il dit, non, t'as une petite affaire, j'avais dans le nez. Il va venir la waitress. Il dit, pardon, mademoiselle, avez-vous des cuisses de grenouille à marché en chemin? Elle dit, non, c'est mon marché naturel. Il y a un gars qui rentre sur le barbier. Il dit, pardon, monsieur, il dit, vous devez avoir une barbe. Le gars commence à le raser, tu comprends? À un moment donné, le client se lève, il dit, coudonc, monsieur, il dit, votre rasoir, là, il dit, moi, vous changez ça pour mon Cadillac. Il dit, es-tu fou? En quel honneur? Il dit, votre rasoir, là, il dit, il tire plus que mon Cadillac. Il y a un autre qui rentre par derrière, il dit, vous devez avoir une barbe, le gars prend le pot, puis il crache dedans. Il dit, pardon, monsieur, vous n'êtes pas pour me savonner avec ça, vous avez craché dans le pot, il dit, c'est pas hygiénique. Ah, il dit, pas, t'es pas un client régulier, il dit, client régulier, je lui crache dans le visage, suite, ça va plus vite. On paye barbershop qu'on avait. Il y a un autre qui rentre par derrière. Il avait l'air comique, le gars, un peu, tu sais. Fait que ça s'assied sur la chaise, puis comment? Il s'assied sur le marchepied. Le barbier, il dit, pardon, monsieur, asseyez-vous donc sur la chaise. Il dit, oui, mais il dit, à quelle place tu vas t'asseoir, toi? Le gars en arrière, il dit, il voudrait avoir une coupe de cheveux. Le barbier, il dit, ramasse-en, il s'est planté. On paye le barbershop, quoi, là. Il y a un gars qui s'en allait sur la rue, tu comprends, puis il était pas mal pacté. Puis à un moment donné, il prend son char, puis il s'en va sur un one-way. La police, elle l'arrête. Elle dit, ce que c'est que tu t'en vas? Le gars, je m'en allais n'importe. Mais je pense que j'ai venu, tout le monde s'en vient. La police, elle dit, t'es pas bien smart, t'as pas bien flèche sur le coin. Le gars, il dit, comment, y a-tu des sauvages dans le bout? Un petit peu plus loin, il était avec sa blonde. Il dit, ça te tente-tu? Je voudrais t'embrasser. Elle dit, pas dans le char, j'ai peur de la police. Il dit, on va se cacher en dessous du char. Il se faufile tous les deux. Puis d'un coup, la police arrive. Elle dit, qu'est-ce que tu fais là? Le gars, il dit, moi, je t'apprends à ranger mon muffler. Elle dit, ce serait bien mieux de checker tes briques. Ben, qu'elle dit, les shorts en bas de la côte. C'est toujours le même que ça arrive. Il y a un gars qui rentre ici, tu comprends, dans le cabaret. On était trois, nous autres, qui parlaient, tu comprends. On parlait d'un rêve qu'on avait eu, tu comprends. Fait qu'un waiter, il dit, moi, j'ai rêvé. Il dit que j'étais mort, hein, avec toi, puis un autre waiter. Puis il dit, ils m'ont dit, avant de rentrer au ciel, il dit, va falloir que tu transportes la montagne à 15 000 plus loin, comme tu te dis. Puis il dit, mec, qu'elle soit rendue là-bas. Il dit, là, tu rentres au ciel. Il dit, c'est long, ça va être long. Mais il dit, c'est le seul moyen de mériter ton ciel. Il dit, il y a un autre qui arrive, l'autre waiter. Après ça, il dit, moi, il dit, qu'est-ce qu'il faut faire, Saint-Pierre? Il dit, pour que je rentre au ciel. Ben, dis-toi, mon vieux, tu vas vider le fleuve Saint-Laurent. Puis il dit, quand le fleuve Saint-Laurent sera vidé, avec un autre petit chaudier demain, puis il dit, là, tu rentres au ciel. Fait qu'il reste à moi. Il dit, toi, Boyer, toi, ça va être long. J'ai dit, comment ça, ça va être long? J'ai rien fait plus que les autres. Il dit, non, mais toi, on va te faire mourir de soif. J'ai dit, comment ça? Ils ont, on va t'assier à bord, site, puis on va attendre que le boss te paye la traite. Voilà, ma chanson terminée.